trajet que j'avais trop envie de faire et voilà, j'ai encore accompli une fois ce que je voulais faire, donc je vous laisse avec la vidéo, bye. Salut à tous, c'est cool Axolol, deuxième jour. Donc voilà, maintenant je vais faire une vidéo pour 2 jours, ça le fait, voilà. Donc là, je sais pas, je vais voir quel parcours je vais faire. J'ai peut-être un parcours là sur 26 km, mais il faut vraiment que je me dépêche pour être à 11h30 chez moi. Donc voilà, oui, on marche aujourd'hui du coup, parce que à 6h, j'étais tellement fatigué et tout, vu l'heure que je me suis couché hier. Donc je préfère, voilà. Donc on va voir. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, encore avec le masque. Malheureusement, c'est le seul moyen, voilà. On peut rien avoir d'autre. Donc voilà. Donc, bah là, je sais pas où, là, voilà. Je prévois et voilà, je sais pas si je vais y aller. Donc voilà. Donc, je vais pas en dire plus. Donc je vous laisse. Et je vous retrouve après, comme d'hab. Hein. Wesh l'équipe, donc nous sommes à 4 km en 34 minutes. Personnellement, là, on gère comparé à hier avec le masque. Est-ce que c'est du fait que j'ai. Comment? Hier j'ai fait 20 km, bah 19. Et que du coup, bah. Voilà quoi. Est-ce que c'est le fait que j'ai fait 19 hier avec le masque? Et du coup que ça m'a habitué pour la vitesse? Perso, je sais pas. En vrai, je me mets bien là. Donc si je continue comme ça, là où je veux aller, il me reste encore 9 km, donc ça le fait. Hein. Et après, bah je ferai le retour, il restera 13 quoi. Les gars, j'ai dit non. J'arrive à la sortie du Breuil. Et moi, j'ai dit non. J'ai vu un panneau marqué la Beaujarde. J'ai dit non. Et en fait, je sais que c'est trop dangereux. Du coup, sur Google Maps, il me proposait un chemin que c'était 2 minutes plus long. Donc, du coup, je préfère prendre ce chemin-là. C'est un chemin qui passe vers des prés et tout. Et je vais suivre beaucoup à Google Maps. Donc, voilà. Donc, c'est bien ça. Parce que la Beaujarde, c'est tellement dangereux que on peut s'y perdre que voilà. Je préfère pas. Vous voyez, je préfère pas me perdre. Hein. Enfin, pas m'y perdre, mais c'est trop dangereux. Que voilà. Et que ici, voilà, il y a. Bon, si je suis pas à la map, oui, je vais me perdre, mais non. Et la Beaujarde, ça descend trop, c'est ouf, c'est. Voilà quoi. Donc je vous laisse, là, ça va. Voilà. Toujours dans les routes de campagne, les gars. Hein. Voilà, c'est bon truc. Donc, du coup, bah, moi, je suis. Hein. Personnellement, hein, grâce à moi qui voulais aller à Perveil, bah du coup là j'y vais, mais en fait je savais pas où j'ai jamais su où était Certaines. En fait, bah Certaines c'est vers Perveil, et du coup bah là je viens de sortir de Certaines il y a même pas 2 minutes. J'arrive ou attendez? J'entends l'église qui est là-bas, mais ok, bon, voilà. Je crois que c'est l'église de Perveil que j'ai entendu. Je sais pas. Non, en vrai là, 20 minutes de marche, et bah en gros je suis arrivé dans, ouais, dans 20 minutes. Après, bah, c'est le retour qui fait peur, parce que voilà quoi. Regarde, regardez ce qui est marqué là. Perreuil, 1 km, oui. Là-bas, il y a le panneau Perreuil, les gars. Il y a le panneau Perreuil. Perreuil. Les gars, il y a Perreuil. Objectif. Atteint. Maintenant ça va être le retour parce que voilà, au moins que je sois rentré avant 1h15 déjà. Donc voilà les gars, ça se présente très très mal parce que 11 et 12 ça fait 13 et je dois être à 13h15. Aïe 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 aïe. Le Creusot Perreuil, attends, il est où le panneau? Le Creusot Perreuil, les gars. Les gars, je pars de Perreuil. Donc, je vais essayer d'aller plus vite parce que déjà il y a plus de descente. Et là, bah, du coup, je connais carrément le chemin de retour. Heureusement, j'ai une bonne mémoire. Donc voilà. Bah, c'est vrai que voilà. Ouais, par contre, si vraiment, par contre, là j'ai une descente, mais après il y a une montée. Mais après, on va voir. Non, mais fallait le faire là. Parce que là, je commence à partir et tout de Perreuil. En fait, il y a soit une route qui part comme ça ou comme ça. Et en gros, bah moi, je commence à descendre la route et tout. Là, je fais, c'est bizarre, ça me marque pas les mêmes chemins que tout à l'heure. Là, je regarde sur mon parcours que j'ai déjà fait. Et je vois, oh punaise, du coup, j'ai dû faire demi-tour. Et en fait, là, je vois carrément où je suis. J'ai juste à descendre la rue et tout. Après, monter Certaines et tout. Mais personnellement, je pensais pas que j'allais me perdre. Je me suis dit, c'est bon, c'est facile. Mais je me souvenais plus qu'il y avait un virage. Ah non, mais les gars,
Aussi, moi, voilà quoi. En plus, je cherchais le City Stade parce que j'ai dit, il faut que je me rappelle, il y a un City Stade et tout. J'avais pas vu le City Stade. J'ai fait, non, c'est pas là, c'est pas possible. Donc voilà. Hein. Ça m'a fait perdre du temps. Donc les gars, là, je suis au Breuil. Bon, là, j'ai ralenti un peu la cadence et tout. Là, je suis à 20. Attendez, parce que vu que j'étais au hôtel et tout. À 21 km en 20 minutes. Oula, oula, non, 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 21 km en 3h20. Et bah là, je suis claqué. Hein. Surtout que là, faut le masque et tout. Là, j'ai ralenti et tout parce que. Ah, j'ai. Oh. Je suis chaud, mais là, en fait, il fait chaud. Là, il y a du soleil, il y a tout. Et j'ai une chaussure plus serrée que l'autre, donc du coup, ça fait mal. Vous comprenez, voilà. Et je vous ai pas fait de vidéo pendant. Allez, au moins 5-6 km parce que. Non, même 4, non, 4-5 km ou 3-4, je sais plus. Parce que vu que j'étais au téléphone, voilà. Compliqué, mais là, ouais, je vais refaire une dernière photo pour le post Instagram et voilà, c'est bon. Bon, je vous laisse là parce que je vais quand même me dépêcher. Hein. Faut que je sois rentré déjà à 1h et il est midi 33. Donc c'est chaud. Donc voilà, les gars, donc je viens de finir avec 24,70 km. Je suis vraiment mort et bah là je suis au resto donc je vous laisse. Bye.